C'est un beau cadeau qu'ont offert les joueurs à leur capitaine Fethiarek. Une nouvelle victoire à domicile, la quatrième, soit 3 points et une sixième place au général. Aujourd'hui, c'est mon 300e match en championnat. Hein ? Mon 300e match en championnat. Je veux vous remercier pour cette victoire. Une victoire tout de même difficile à obtenir. Les Crocos sont pourtant créé plusieurs occasions, surtout en première période et notamment sur corner. Ils en ont obtenu 13 au total. Et sur l'un d'eux, TJ Savanier trouve Renaud Ripard au premier poteau, plat du pied pour l'ouverture du score. C'est la 9e passe décisive pour Savanier. Il est pour l'instant le meilleur passeur du championnat. Et c'est le 5e but de l'attaquant nîmois. À la pause, 1-0. En seconde période, le Nîmes Olympique ne pourra doubler la mise. À la couche, va voir sa tentative stoppée par le gardien nordiste. Les Valenciennois domineront les 45 dernières minutes sans toutefois tromper Maria. Score final, un petit but à rien pour les Crocos. Aujourd'hui, cette victoire nous permet d'entretenir l'espoir. Même si ce n'est pas l'objectif premier, si c'est pas, voilà, aujourd'hui, il faut se persuader que c'est possible et que si on n'y arrive pas, c'est qu'au moins on aura tout donné. Nîmes Olympique est à 2 points des barrages, 4 de la montée directe. Les 7 matchs qui restent à jouer doivent l'être comme des finales pour décrocher une accession qu'on peut déjà qualifier aujourd'hui de méritée.